Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Candace Makeda Ashmore. Elle est chercheure en sciences appliquées, Netherlands e-Science, et ingénieure de recherche en logiciels. Nous allons, dans un premier temps, lui donner le temps de son exposé. Je pense que ça va prendre une heure au maximum. Et ensuite, nous allons échanger, répondre aux questions et prendre des commentaires. Alors, sur ce, docteur, si vous êtes prêt, nous avons l'honneur de vous remettre la parole pour votre conférence. Pour ceux qui veulent écouter en français, il faut cliquer sur le globe et vous sélectionnez le français en bas de votre écran. Allez-y, docteur, s'il vous plaît. Okay, I will share my screen. Donc, je vais partager d'abord mon écran et... Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Can you see my screen? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Moi, je vois en tout cas. Yeah, we can see it. Great. Okay, so I am Dr. Candace Makeda Moore, and I am here to talk you... I'm here to speak to you about using open science and AI for medicine to save lives. Okay, so this presentation will cover a few topics. We're going to go from talking about closed AI and putting some definitions around it to speaking about the dangers of closed AI. Then we'll speak about open science methodology. And I'll give some examples of open medical AI software. And I will talk about solutions for the real world, because we're living in a sort of mixed reality between open science and closed science, open algorithms and closed algorithms. And we don't always have the choices we would want. And then I'll move on to discussion and questions. For the time being, I've just sort of lowered my volume because hearing myself back in French is a little bit distracting. However, I put a meme on this presentation here as sort of a joke. This is Oprah saying, you get a PowerPoint, you get a PowerPoint, everybody gets a PowerPoint. And that's a joke because actually PowerPoint is proprietary software, it's closed. So let me move on to some definitions. In terms of definitions, I want to use definitions for this talk only. Artificial intelligence is a really broad subject, but I'm not talking about all artificial intelligence in this talk. I'm talking about the practical applications we have now, which are narrow artificial intelligence, and specifically machine learning. And when I'm calling it certain things closed, I'm talking about things that are proprietary or where there are critical parts of the algorithm not published or available. So I want to ask a question. How many of you believe that a closed AI product could lead to harming patients? And I had hoped we could just sort of put our hands up, but the way my screen share is working, I can't actually see all of you. So you can just give me a thumbs up or a hands up through the reactions, if you have that in Zoom, to let me know if any of you believe that a closed AI product could lead to patient harm. And to be clear, when I'm speaking about closed AI, I'm talking about proprietary software, hidden code. You can't see the code. And
products that are made on training data that is unavailable. So you can never figure out what shaped the machine learning algorithms. And if there are publications that go with this algorithm, they're usually paywalled and they're not connected to the data set that the algorithm was built on. So I can't really see who's giving me a thumbs up or a reaction. However, if you are, you're right. Closed AI can lead to patient harm. And that's not a theoretical issue. That is a factual issue. It's already happened. And now I'll ask an even more provocative question. Could closed AI lead to patient deaths? Because we've already seen it leading to patient harm. Medical AI failures are often not detected for a while. And artificial intelligence-based solutions in healthcare have already played a role in creating and perpetuating health inequities among millions of people in the US alone, okay? Additionally, although I love to focus on health inequities, there are various algorithms that have caused harm in ways that have nothing to do with health inequities or different groups of people. These algorithms simply didn't work that well for everyone. So an example of that would be something like the Epic Deterioration Index. There were some products around sepsis and then later around COVID that were meant to predict which patients would deteriorate. However, these products didn't work that well. And what that means is not only did the hospital spend money on an AI product that eventually they realized they couldn't use, not only did they lose the resource of money, they lost what's arguably a more precious and important resource, and that is the attention of physicians. The physicians using this algorithm were pointed towards the wrong patients. So instead of being pointed towards the patients who were actually going to deteriorate, they were pointed towards many, many patients who wouldn't, and their attention wasn't properly allocated. So for the academic among you, I put my references about these particular products down at the bottom, and I've made sure that I chose very good articles about them from Science, from Nature, and from JAMA, because we have to examine the evidence on these very carefully. So the reason for that, obviously, is that as clinicians, we are taught primum non nocere. We're taught do no harm. And whenever we think about these things, we have to think about the dangers. I stay in AI and medicine because I see the great opportunity everywhere. And that's an opportunity to save lives. You know, wherever in the world you are, there's opportunities where AI can improve healthcare and save lives. I started working as a physician actually in Haiti very briefly, and there are whole areas of Haiti where there aren't very many doctors. Here you see a picture of me in Lesotho. That's another country where there are whole areas where there isn't a lot of medical care. And ideally, we might be able to use a combination of telemedicine and AI to extend the physician workforce. However, we have to balance that against the other needs of such areas. You know, in some of these areas in Haiti, they don't have clean water. And there are a lot of interventions we could do to save lives. And I would argue AI might help us to understand what interventions are the most important ones. And even in countries where you have, relatively speaking, même dans les pays où vous avez, c'est-à-dire quelques, on parle relativement de, on a une présence relative de physiciens, il pourrait y avoir plusieurs erreurs en matière de la, de la médecine, particulièrement aux États-Unis. Il y a des erreurs médicaux qui constituent une cause principale de mort. Donc, nous avons l'intelligence artificielle qui peut nous aider dans ce sens. Et si nous avons l'intelligence artificielle qui peut nous aider, cela pourrait avoir des effets considérablement positifs. Donc, à ce niveau, je n'entends pas l'interprète, donc je suppose que tout le monde arrive à m'entendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous m'entendez tous? Enfin, maintenant, oui. Yes, you can continue. Okay, great. So let me tell you a little bit about myself. Permettez-moi de vous parler un peu de moi et d'où est
Et pourquoi est-ce que je suis qualifié de pouvoir parler de ce sujet? Premièrement, j'aimerais dire que je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit maintenant. Mais par le passé, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies en tant que consultante ou employée. Et je sais ce qui se passe à l'intérieur de ces compagnies qui conçoivent les produits médicaux de l'intelligence artificielle. Je peux voir également de l'autre côté, en tant que clinicien qui a travaillé à l'hôpital et en tant que chercheuse, c'est-à-dire une autre chose par rapport à moi, c'est que, au fait, moi, c'est que je suis docteur de la diaspora africaine. Donc ici, ceci peut se présenter comme un détail un peu hasardeux, mais plusieurs des produits qui viennent dans le domaine médical aux États-Unis et partout dans le monde ont des effets disparates sur diverses populations. Et comme une personne qui vient d'une population assez spécifique, j'ai vu ces effets avec une certaine perspective qui n'est pas vraiment commune, qui n'est pas vraiment courant. Et alors que maintenant que je me suis présenté, je vais vous faire comprendre que ici ce n'est pas un enseignement, mais je veux simplement vous autonomiser à pouvoir travailler avec ce genre de produit et avoir une réflexion profonde et comprendre plus ou moins les statistiques. Par exemple, s'il y a des étudiants en médecine, certainement vous avez une certaine compréhension de ces formules que vous se présentent là sur la diapositive. Alors que vous continuez dans votre carrière, vous pratiquez la médecine, vous allez mieux comprendre, vous imprégner de la compréhension de ces statistiques, de ces formules. Pas toute compagnie travaille d'une manière positive afin de pouvoir promouvoir la santé. Il y a certaines compagnies qui sont très, qui veulent juste vendre leurs produits. Et j'ai vu cela de là où je viens. Et il y a certaines statistiques qui sont vraies, mais qui peuvent porter à la tromperie. Si quelqu'un vient à vous, par exemple, et vous présente un algorithme afin de pouvoir diagnostiquer une maladie très rare, il peut vous dire, par exemple, que c'est 99,9% précis. Hein, le niveau de précision. Toutefois, cependant, vous voulez qu'on voit la population sur laquelle ils ont testé l'algorithme et afin d'avoir ces données probantes. Parce que s'ils sont en train de vous tromper, il peut y avoir un algorithme qui déclare simplement que tous les patients sont négatifs. Aucun d'entre eux n'a la maladie que vous voulez, que vous cherchez. Donc, vous pouvez imaginer, au fait, la situation. Une maladie qui est sur 1000 personnes, 1000 et une personnes, et vous voyez que lorsqu'on teste, c'est seulement une seule personne qui a la maladie. Et là, c'est en quelque sorte l'algorithme en train de décrire que personne n'a la maladie. Donc ici, c'est quelque chose au fait que vous avez besoin de passer au crible de la pensée critique. Donc ici, c'est un élément au fait qu'on doit vraiment tenir à la pincette afin de pouvoir s'assurer de la véracité, et non de la véracité, mais également l'authenticité de ce qui se passe. Donc ici, par exemple, lorsqu'on se fie à ce que nous avons là sur la diapositive, on a un produit de l'intelligence artificielle avec une très haute précision, mais il y a certains éléments au fait qui peuvent attirer votre attention. Donc, vous devez regarder les statistiques qui sont différentes de la précision et qui peuvent facilement être manipulées. Par exemple, le FP, par exemple, et autres, ces éléments... c'est-à-dire les différentes formules que vous voyez ici, il y a la manière au fait de pouvoir, c'est-à-dire établir l'échantillonnage dans la création de leur algorithme. Il y a ces dispositions également qui doivent être considérées. Par exemple, dans l'apprentissage automatisé, on parle de certaines statistiques, par exemple, qui peuvent porter à confusion, où il y a, c'est-à-dire, n'arrive pas à dépeindre clairement ce qui se passe réellement à travers, c'est-à-dire dans la situation. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, certainement, peut-être que vous ne pouvez pas mémoriser. When we have products that are represented with misleading statistics, unfortunately, sometimes in our hospitals, and this is not just true in West Africa, I've seen this around the world, literally, people who are administrators will purchase these products because they don't really understand the statistics. I've seen this in very advanced countries, including the UK, from my work. And it's not really a question of whether you are in Ghana or India or the UK. The question is whether the hospital has the capability to evaluate the product. And some of the most capable people I saw actually were in a specific hospital system in India. So, you know, this is a global problem.
and it's a problem for everyone, because if you get something that is very actually not so good at diagnostics for a diagnostic algorithm, at best you're wasting money. But until people figure out to ignore it, you're also wasting clinician attention. Another problem with some of these products is un autre problème qui se présente ici avec ces produits, c'est qu'ils n'ont jamais été, c'est-à-dire élaborés en tenant compte de toutes les populations du monde. Donc, vous aurez besoin de pouvoir faire une désagrégation des données qui ont constitué leur base d'élaboration. Donc, ici, pour le faire, vous pouvez utiliser les données qui sont disponibles sur les plateformes publiques que vous pouvez utiliser afin de pouvoir mener à bien vos recherche. Donc, nous avons quelques données ici dont nous disposons qui sont relatives à différents domaines de la médecine. Ici, voici un exemple d'un algorithme qui a été créé à Academia et il n'y a rien de bizarre par rapport à cela, mais l'algorithme a été établi, c'est-à-dire le taux, mais la probabilité de suicide après avoir traversé des troubles psychologiques. Donc, lorsqu'on regarde, c'est-à-dire les statistiques, en fait, des données qui forment l'algorithme par ethnicité, vous verrez que l'algorithme ne se focalise pas, c'est-à-dire ne fonctionne pas bien dans deux groupes de populations, par exemple au niveau des Américains ou bien à ceux qui sont au niveau de l'Alaska. Et donc, il y a certains groupes de populations, au fait, que cela n'a pas pris en compte, qui n'ont pas été pris en compte plutôt dans l'élaboration, au fait, des fonctionnalités de base de l'algorithme. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans le passé, dans l'histoire de la psychiatrie, il y avait des diagnostics qui avaient été faits et certains éléments dans l'histoire, en fait, la plupart de ces éléments étaient faits sur la base du fait que la population africaine ou bien noire était de diverses couches. Donc, ils ont présentent différents diagnostics et doivent être par conséquent traités de façon différente. Donc ici, ce qui se passe au fait, c'est que pour ceux d'entre vous, par exemple, qui ne savaient pas, ici c'était un diagnostic qui avait été fait, par exemple, qui sur la base du fait d'une certaine pensée ou bien d'une certaine perspective relative à l'esclavage et autres, tout ça, particulièrement la diaspora africaine. Qui se trouve également aux États-Unis. Lorsqu'on a un modèle et que cela ne fonctionne pas bien pour certains groupes de personnes, vous devez avoir des données par rapport à ce modèle pour pouvoir comprendre. Vous devez comprendre comment est-ce que cet algorithme fonctionne par rapport à quel groupe de personnes. Et c'est là où les données ouvertes rentrent en ligne de compte et se présentent et se révèlent très utiles. Et cela nous emmène à un autre domaine de la médecine. Et cela peut se cela ne se passe pas seulement dans un seul domaine de la médecine, dans plusieurs domaines. Nous voyons cela se produit au niveau de la dermatologie. Ici, on parle ici, par exemple, de la détection de certaines conditions et autres, tout ça, sur la base de certains algorithmes. L'article que j'ai mis ici, au fait, si vous voulez, vous pouvez vous pencher sur certaines disparités, c'est-à-dire l'apprentissage automatisé et les soins, les disparités au niveau de la dermatologie dans les soins cliniques. Vous verrez que l'algorithme et les statistiques qui sont ici sont d'apparence sont bien, mais ici, la plupart des éléments déterminés par l'algorithme ont été faits seulement sur la base d'une population, la population provenant de l'Allemagne. Et donc, par conséquent, seulement une poignée de personnes de population africaine ont été considérées dans l'élaboration de ces éléments. Donc, cela signifie que ces éléments ne sont pas fiables. Some of you may think this par conséquent, donc certainement, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter véritablement par rapport à ces éléments. Et je parle ici, je me tiens ici avec le sujet de la dermatologie, quelques images qui ont été faites ou bien élaborées par au niveau de la littérature de la dermatologie. Il y a certaines maladies ici. Lorsqu'on regarde au bas, il y a quelques images des peaux. J'espère que vous voyez. C'est-à-dire, il y a vraiment les peaux qui sont vraiment noires. Qui sont plus sombres que la mienne, sont vraiment très rares ici. Mais ici, si vous voulez deviner où est-ce que cette recherche a été menée, est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous arrivez à deviner? Est-ce que vous pouvez deviner où est-ce que cette recherche a été menée? Essayez de deviner où est-ce que cette recherche a été menée. Je n'arrive pas à entendre. Est-ce que vous êtes là? Ah, OK.
well, I guess no one wants to guess, but it's been done. Yes, je vois que quelqu'un peut imaginer, mais cela a été mené très récemment. Ça, c'est quelques années, il y a quelques années. C'est une condition, la condition à laquelle ils se sont penchés, c'est le COVID-19. La COVID-19, c'est quelque chose quand même. Alors que la pandémie frappe à travers le monde, nous voulons voir les manifestations dermatologiques de cette maladie. Alors que les personnes se sont penchées sur la littérature, ils ont vu quelques éléments portant sur la qualité, par exemple, de la peau. Donc, on peut se baser souvent sur la qualité, au fait. Donc, ici, vous devez voir que ce qui se passe, ce qui se révèle à travers les littératures, ne se base que sur une portion, une poignée, mais alors très insignifiante, de la population mondiale, alors que cela devrait couvrir ou bien prendre en compte toutes les couches de toutes les populations à travers le monde. Donc, ça, c'est un élément qu'on a besoin de mettre en évidence. Donc, ici, on doit vraiment voir il est important de pouvoir faire une élaboration bien détaillée des données dont vous disposez, pas en tenant compte de toutes les couches, au fait, hein, de toutes les sortes de populations, comme les Latins, par exemple, ou les Africains. Mais il faudrait s'assurer, au fait, que les données dont vous disposez ici, par exemple, ici, on parle de la dermatologie, mais d'où vous assurer, ce que je dis, vous assurer que Il y a eu une prise en compte, mais alors intégrale et non partielle de population. Donc, ici, il y a des compagnies également qui souvent prennent des décisions sur le fait qu'ils ne considèrent pas l'ethnicité ou la couleur de peau et autres, parce que les compagnies en elles-mêmes, de par leur nature, sont des compagnies commerciales qui regardent ces choses d'une perspective de profit et de bénéfice. Donc souvent, ils ne voient pas, c'est-à-dire le bénéfice à pouvoir inclure plusieurs populations dans les différents tests et expériences qu'ils mènent. Donc, ici, c'est pas une question nécessairement de couleur de peau ou bien de groupe ethnique, mais différents groupes de la population présentent différentes caractéristiques. Ici, nous sommes en train de faire un algorithme qui lorsqu'on fait un algorithme des personnes, par exemple, pour une ville particulière ou même pour un pays, OK, mais lorsque c'est une chose qui doit aller à portée mondiale, il faudrait inclure. Donc, il faut établir alors des algorithmes qui travaillent tout le monde, particulièrement, malheureusement, pour ceux d'entre nous qui viennent de ces deux groupes. Il y a certains éléments, au fait, qui sont occultés. Mais toutefois, il y a des statistiques, au fait, voilà. Donc, ici, voici un élément que nous avons ici. C'est que certains groupes sont dans les données. La manière dont la machine l'apprentissage automatisé fonctionne, c'est qu'il y a une influence au niveau des données générées par l'algorithme. Mais ici également, lorsqu'on essaie de pouvoir lorsqu'on utilise les codes, on verra que les algorithmes utilisent certains ou bien entament certains processus cliniques afin de pouvoir générer des données qui ne reflètent pas réellement, qui ne reflètent pas véritablement la réalité ou les problèmes existants. Donc, lorsque un algorithme est fermé, vous devez véritablement évaluer cela à la lumière des éléments que je viens de vous évoquer. Et je vais vous montrer comment on fait l'évaluation. Mais essayons d'imaginer une réalité alternative. Peut-être nous vivons dans une réalité où les algorithmes étaient parfaits, ou bien presque parfaits, ou pas corrompus, comme cela se présente souvent. Toutefois, au niveau clinique et les hôpitaux n'ont pas vraiment l'expertise, c'est un problème au fait. Certains hôpitaux se retrouvent dans une situation où ils se trouvent au pied du mur, c'est-à-dire ils disposent certainement de certains éléments, donc ils n'ont pas l'expérience en termes d'usage. Donc ici, ici, imaginez-vous ici que vous avez tous les différents éléments électroniques, vous avez tout le registre et votre système, et on vous donne un produit intelligence artificielle qui ne peut pas vraiment être combiné ou bien qui n'est pas compatible au système que vous avez. Et alors, vous allez devoir passer à un autre vendeur, un autre prestataire. Donc ici,
Idéalement, un hôpital ou une institution sanitaire doit essayer de penser à comment personnaliser les sources ou bien les algorithmes qu'elles achètent ou bien les équipements de l'intelligence artificielle qu'elles décident de pouvoir utiliser. Ainsi, proprietary algorithms are quite dangerous for science. I don't know how many people have heard about the reproducibility crisis, but I'm convinced that a lot of this comes from very closed practices. Researchers who keep data on their own servers, who make code with no license or code in something like MATLAB, which is proprietary. And that's very common, right? And so we get a lot of science where no one can track back and check. And this allows, by the way, for some pretty bad players to essentially get involved in scientific fraud. So when I think of AI that is closed, I think of the Wizard of Oz. And I put a picture in, but then I realized I'm dealing in a different cultural context here. So maybe not everyone has seen the Wizard of Oz. So I thought we could just watch a couple minutes of it together. Let me know if there's a problem with the sound. Please, sir, we've done what you told us. We brought you the broomstick of the Wicked Witch of the West. We melted her. Ah, you liquidated her, eh? Very resourceful. Yes, sir. So we'd like you to keep your promise to us, if you please, sir. Not so fast. Not so fast. I'll have to give the matter a little thought. Go away and come back tomorrow. Tomorrow? Oh, but I want to go home now. You've had plenty of time already. Yeah. Do not arouse the wrath of the great and powerful Oz. I said come back tomorrow. If you are really great and powerful, you'd keep your promises. Do you presume to criticize the great Oz? You ungrateful creatures, think yourselves lucky that I'm giving you audience tomorrow instead of 20 years from now. Oh. The great Oz has spoken. Oh. Pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken. Who are you? Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz. You are? I don't believe you. No, I'm afraid it's true. There's no other wizard except me. You humbug! Yes, it's exactly so. I'm a humbug. Oh, you're a very bad man. Oh, no, my dear. I'm a very good man. I'm just a very bad wizard. Okay, so I hope everyone enjoyed that clip and can... Donc, j'espère que tout le monde s'est bien, a bien pris plaisir à regarder ce clip. Vous pouvez peut-être imaginer ce à quoi je vais en venir en projetant cette... C'est-à-dire, certaines compagnies diront, ne prêtez pas attention aux données. Nous avons les données, vous n'avez pas besoin de voir les données et autres. C'est-à-dire, souvent, c'est bon de pouvoir... voir, c'est-à-dire la personne derrière le rideau. C'est que la science ouverte fait, c'est qu'elle vous révèle ce qui se trouve derrière, au fait, ce qui se dit, ce qui se présente, au fait. Et autrement dit, vous présente la réalité dans son acception de façon intrinsèque. Donc, afin de pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir parler de la science fermée, et c'est-à-dire avant de parler de la science ouverte, je vais d'abord toucher... parler de quelques éléments partant sur les algorithmes et les applications de la science fermée. Les applications ou les algorithmes, c'est-à-dire les erreurs d'algorithmes et d'applications peuvent avoir peut-être détecté vraiment tardivement. Et cela peut souvent apporter, c'est-à-dire compromettre la qualité et la fiabilité des données dont vous disposez. Donc ici, il y a des produits ici des algorithmes et des applications de sciences fermées hein, qui également peuvent avoir un certain effet. Ici, par exemple, vous demandez de pouvoir... En fait, ce qui se passe... Que je... Software, and I will raise my hand because I certainly have. And that brings me to the point that we should probably think about open science as sort of like a movement or a struggle. We're not going to get there in one day.
We're not going to convince the world that they should all publish their data sets. En fait, c'est pas quelque chose qui arrivera en un jour. Nous n'avons pas de convaincre le monde de leur demande, nous pas convaincre le monde qu'ils publient leurs données en un seul jour. Donc, je vais être très spécifique par rapport à ce que je sens, j'entends lorsque je parle de science ouverte. Je parle ici des recherches qui ont des codes de sources ouvertes, des données ouvertes et des publications accès dont le public auquel le public a accès. Il y a beaucoup de détails par rapport à cette question lorsqu'on parle de recherche médicale. On parle de l'harmonisation des patients. Je vais parler des détails, mais permettez-moi d'être clair par rapport à ce que je ne tente pas lorsque je parle de sciences ouvertes. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà vu ces données, ces codes qui sont disponibles sur demande. J'ai demandé à mon ami s'ils ont vu je leur ai envoyé write the researchers and say, hey, this was a great paper, I'd like to see your data. And in many cases, the researchers would even write me back and continually cook up reasons why they couldn't release the code or the data, even though their article had clearly stated that data and code were available upon request. Eventually, I got into discussing this with some of the editors at the big scientific publishing houses. And I said to one editor, look, what do you really have that guarantees people will actually share their data and code? And he said, faith, because they don't have a way to enforce that people will actually share. And so it doesn't happen. So we need people to publish their data even before they publish their publications. And in fact, if people also publish their intent in Donc, terms of- Nous avons des personnes qui publient leur, certains contenus en termes d'analyse statistique, c'est-à-dire certains plans de recherche, et ceci permet de pouvoir rendre la... sera rendu plus facile de pouvoir avoir accès à certaines publications, mais certains résultats de recherche statistique. Donc, afin de faciliter les recherches et la confiance, c'est-à-dire un produit avec un accès ouvert peut vraiment se révéler très pertinent. Et je veux dire, mettre en lumière le fait qu'ici, c'est un mouvement pour la vie, un mouvement ouvert pour la vie. Mais on ne doit pas être vraiment dogmatique parce que ce n'est pas tout le monde qui peut publier tout. Et fait tout de manière très similaire. En fait, il y a plusieurs défis, il y a certaines questions de sensibilité de données et de limites financières. Et si vous voulez mener des recherches, vous avez besoin d'analyser des données, vous devez analyser, c'est-à-dire la qualité, et que vous voulez analyser la qualité des données, cela peut exiger beaucoup de ressources dont vous ne disposez pas à l'instant. Et des personnes, c'est-à-dire des individus au cours de leur carrière, peuvent faire face à certains défis lorsqu'ils décident de partager, par exemple, des données et autres. C'est parce que les personnes avec pouvoir peuvent faire beaucoup de choses alors qu'ils c'est-à-dire au gré de leur volonté. Et certaines personnes n'ont pas, par exemple, le luxe, par exemple, de faire certaines largesses ou bien faire certaines choses parce que cela n'a pas été inclus dans le budget préétabli au début de l'année, par exemple. Par exemple, je me souviens de l'un des éléments dans l'une des yeux que j'ai lu par rapport à la science ouverte, il y a un homme qui est devenu un grand activiste après que sa femme, il est devenu un activiste de la science ouverte après que sa femme a été hospitalisée. Sa femme avait eu des problèmes et donc il voulait lire certaines des recherches récentes. Il n'a pas pu parce qu'il n'a pas eu cette possibilité, il n'a pas été autorisé. Ah, donc, lui étant en tant que scientifique, alors il a commencé à voir certaines des recherches qui étaient menées, mais alors qui étaient basées sur des éléments très compromis et non fiables. Et alors, c'est de cette manière, au fait, que la manière dont les données ouvertes peuvent se révéler très utiles, peuvent se révéler très, alors, mais comme des éléments très pertinents, très utiles. Et alors je veux parler des méthodologies par lesquelles nous pouvons participer dans ces mouvements ouverts pour la vie. Et comment est-ce qu'on peut créer un mouvement d'intelligence artificielle pour la médecine? Nous avons passé de beaucoup de choses. Il y a la licence des algorithmes, des codes que nous faisons. Nous devons penser aux codes, nous devons penser aux publications de groupes de données, il y a également l'anonymité des données. Et comment est-ce que nous présentons ces données anonymisées? Et c'est parce qu'il y a plusieurs éléments à considérer. Nous devons penser également aux publications.
aux publications. Et un autre élément également que je pense, même les personnes dans le domaine de la science ouverte, occulte, c'est que nous ne pensons pas souvent à la publicité, parce que vous pouvez être le meilleur scientifique, scientifique de la science ouverte dans le monde, mais si on ne vous connaît pas, comment est-ce que vous pouvez être profitable? Donc, voici certains éléments que j'ai lus en termes de bonnes pratiques. Lorsque vous... En fait, il y a un éventail très large de licences que vous pouvez, dont vous pouvez vous servir. Et ici, vous pouvez voir ouvert, c'est-à-dire des chercheurs qui partent sur les MIT ou bien des GNU hippocratiques. Il y a de nouvelles licences hippocratiques qui sont essayées de pouvoir être, être lancé. Mais généralement, il y a une chose importante lorsqu'on choisit les licences, c'est qu'il n'y a certainement pas eu vraiment de cas juridique par rapport à cette licence. Donc, lorsque vous choisissez une licence, il faudrait qu'il y ait eu d'abord des cas où vous faites en matière de l'implémentation, de leur mise en œuvre et autres par rapport à la formation des cours et autres. Et cela peut vous aider à savoir, c'est-à-dire comment vous y prendre par rapport à l'utilisation, par exemple, peut-être la licence et autres, et autres, et autres. Donc ici, what is false about anyways? Donc ici, il y a... Donc ici, par exemple, on a le false, on a le floss. Le floss ici faire référence à la liberté au fait, ou bien des sources d'applications ouvertes. Ici, la licence hippocratique dit que vous pouvez avoir des algorithmes pour aussi longtemps que vous n'allez pas l'utiliser pour violer certains droits, les droits de l'homme et autres, tout ça. Mais toutefois, cela ne sera pas pleinement ouvert parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'en servir afin de pouvoir, à des fins vraiment pas vraiment nobles. Lorsqu'on regarde le projet de source ouverte, ici, cela amène plus d'ouverture, c'est-à-dire des personnes qui disposent des licences peuvent l'utiliser. Il y a également le langage, au fait, le langage de R, de Python, de Julia et des transformations. Donc, ici, il y a plusieurs produits qui ont émergé au fil du temps, au fil des années. Donc, il faut également voir la tendance. C'est bien, mais si vous avez le temps, avec le luxe, vous pouvez considérer les codes qui sont d'un langage très courant, très populaire, et cela peut vous être, vous pouvez l'utiliser très facilement. Et c'est en termes de base de données, je peux vous recommander la publication de données plutôt. Vous pouvez utiliser Zenodo, Dataverse, mais pas PubLinked, ce qui n'est pas lié à certaines publicités ou tout ça. Donc, ce que je vous recommande en termes de publication. And that DICOM is going to have patient data in various places. It's going to have it in certain fields in the header, metadata, but it also may have patient data in the image itself, right? Because a head CT has a. Également, il y a des données par rapport ici. Le SCG a également une composante très intéressante. Anonymiser au fait certaines SCT peut se révéler très facile, mais si vous utilisez la science ouverte, quelqu'un devra faire le travail. Et c'est une fois qu'ils l'ont fait, ils vont mettre leurs données quelque part sur Internet, par exemple. Il y a plusieurs de services de partage de données, mais vous devez vraiment penser à comment vous devez vous assurer la sécurité de vos données. Cela, je me souviens, il y a quelques mois, là, j'avais des données que je devais avoir sur Internet, et c'est ce qui est... C'est-à-dire, c'était d'un service de partage de services. Et j'étais au bord des larmes parce que c'était des données de près de milliers que je devais cliquer et télécharger un par un. Et j'ai eu vraiment une petite expérience en programmation. Alors, j'ai essayé de pouvoir utiliser un shell script qui pourra aider à pouvoir télécharger des milliers de données en un. Donc, ce que je vous dis, probablement, après avoir mis votre...
different institutions. Mettre votre donnée, vous pouvez demander à un collègue de peut-être d'une différente institution de pouvoir prendre les données, c'est-à-dire essayer de les télécharger et demander sur le temps que ça prend pour pouvoir télécharger. Et s'il dit, par exemple, que ça a pris 15 minutes, c'est bien. Mais s'il, pouvait dire, s'il dira que je n'ai pas vraiment pu télécharger et je vais le faire un peu, alors vous devez penser à reviser comment est-ce que vous mettez, vous disponibilisez votre donnée pour le public, de sorte à ce que le public puisse avoir un accès très facile, très fluide à vos données que vous publiez. L'une des manières de pouvoir amener vos publications, rendre vos publications accessibles au public, c'est de les mettre sur c'est-à-dire des serveurs preprint. Voilà, c'est le nom au fait du serveur preprint. Preprint servers, c'est le nom de l'élément au fait qui va vous aider à pouvoir, disons, rendre les données plus ouvertes, plus accessibles. Et c'est également plus adapté pour les pratiques relatives à la médecine. Nous avons également certains articles et certains éléments qui, au fait, c'est un élément qui est très avéré en termes d'efficacité, en termes de pertinence et de fiabilité. Voilà. Donc ici, en utilisant le preprint servers, cela vous assure également que vous suiviez par exemple toutes les régulations, toutes les règles de base. C'est bon par exemple de pouvoir ouvrir, c'est-à-dire partager des éléments, ouverts. Mais ce que je veux recommander essentiellement dans tout ce que je suis en train de dire, c'est de pouvoir vous servir de preprint servers ou de Diamond Open Access. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer quelques éléments d'applications de recherche d'intelligence artificielle ouverte. Parce que des personnes pourraient dire que, OK, ça c'est bien, tout ce que vous montrez est très académique, mais peut-être il n'y a pas quelque chose que nous pourrons utiliser. Bon, moi, j'aimerais vous montrer quelques exemples qui peuvent, c'est-à-dire qui va vous donner une idée par rapport au genre d'applications pour pouvoir créer ce que vous voulez. Le Kleenex est une application qui fait, l'exploration, l'organisation de données, l'exploration pour la radiologie. Le Monai est un grand ensemble également, un paquet qui supporte les vidéos, qui est complètement ouvert, qui peut vous aider à créer de grands algorithmes. Et nous avons Diana qui peut vous aider à créer des résultats qui sont explicables et interprétables. Donc, Kleenex peut vous aider à organiser vos données, créer un algorithme et créer quelque chose qui peut vous aider à pouvoir organiser vos données, qui peut vous permettre. Machine learning interoperability. There's a lot out there in many different fields that's open, where you can go see the code and the data sets. So, when you look at these things, you can think of having at least a 6-point, if not 7-point checklist, right? Donc, tous ces éléments que je viens de vous présenter sont des éléments qui peuvent. Donc, il y a la licence également qui peut vous aider. Il y a donc, pour chacune de ces applications, il y a la licence, au fait, qui y est associée, que vous devez devoir également avoir. Donc, tous ces différents éléments sont très, très pertinents, très utiles dans l'accomplissement de la tâche que nous sommes fixés. Par exemple, par rapport à Kleenex, je vais vous montrer comment. Voir les éléments dans le monde réel. Donc ici, par exemple, Kleenex, voici le contenu, mais la composante du paquet. Donc ici, il y a la licence également. Donc voici un exemple, l'exemple de Kleenex. Ici, il y a la licence qui vient avec. Donc c'est une licence permissive. Nous avons maintenant le code. Donc ici, au niveau du code, on peut essayer de voir quel genre de code que nous avons ici. Donc nous avons des extensions ici. Donc, sur le programme Python, vous pouvez vérifier ici, ce n'est pas un langage avec des protections privées et autres. Donc, ici, vous pouvez voir que les bases de données ici, ou bien les groupes de données ici, sont publics et les données sont. OK. Les données ici. Donc, nous avons ici. Des données anonymes.
Donc voici un exemple ici de Diane. Donc nous avons une vidéo qui est jouée afin de pouvoir donner une idée. Donc Diana est un projet collaboratif des Pays-Bas et autres, et la Serbe est une... Donc ici, présenté, nous avons c'est-à-dire la page d'accueil pour le projet Diana. Ici, cela permet aux utilisateurs avec une connaissance en coding ou bien en codage très faible et de pouvoir l'utiliser et de pouvoir vraiment... faire le travail ou bien, c'est-à-dire, se sentir à l'aise. Donc, d'ailleurs, ici, cela peut être utilisé pour monter différents algorithmes d'intelligence artificielle tels que RISE, LINE ou SHARP et des données et des algorithmes. DIANA is an acronym for Deep Insight and Neural Network. Donc, DIANA est un acronyme pour d'analyse neurologique d'un réseau approfondi. So I hope everyone could hear that. J'espère que vous avez pu entendre, disons, ce qui était dit, disons, la petite explication qui fut donnée par rapport à Diana, en fait, parce que j'ai décidé de vous montrer un exemple par rapport à Diana parce que je crois que c'est une application très intéressante parce que ce qui vous permet de faire, c'est de pouvoir facilement faire les exercices, même l'interprétation ou l'explication d'algorithmes et sur le modèle de données. Et ici, nous avons par exemple des diapositives. Il y avait un travail en termes de pathologie digitale et Diana a mis, c'est-à-dire, quelques éléments, c'est-à-dire de couleurs. Donc ici, vous pouvez voir que dans ce cas, l'algorithme ici est en train de voir s'il y a une information, c'est-à-dire c'est très curieux. S'il y a une certaine information, peut-être ne voulez pas utiliser, certainement vous ne voulez pas utiliser cet algorithme, c'est un modèle qui ne convient pas. Dans le futur, je pense que nous allons voir certains algorithmes qui seront plus... actuellement, nous avons différents types d'algorithmes, mais actuellement, il peut y avoir de meilleurs algorithmes dans le futur qui pourront permettre de pouvoir mieux comprendre, c'est-à-dire ce qui se passe dans au cœur de l'ordinateur et changer nos algorithmes de sorte à ce qu'ils soient plus convenables à l'usage. Donc, peut-être certains d'entre vous pensent que ici, c'est quelques explications et des algorithmes interprétables et explicables. Il y a quelque chose qui est différent. Moi, c'est bon. Que cet algorithme soit de source ouverte. Mais qu'en est-il des risques, au fait, qu'ils sont associés? Oui, effectivement, il y a quelques risques potentiels. Hein? Tout ce qui relève de l'intelligence, de la technologie, a quelques bénéfices, a quelques avantages et inconvénients. Il faut savoir que lorsqu'il y a des applications de source ouverte, il y a quelques éléments, au fait, quelques défis qui sont associés, quelques éléments de complication également. Ici, il y a cette question d'ambiguïté en termes de leadership, c'est-à-dire qui est-ce que la personne qui, disons, a... Comment l'illustrer? C'est-à-dire la personne qui l'utilisera ou bien qui maîtrise, au fait, qui est le chef en termes de l'utilisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a un contrôle. Contrôle principal, c'est ça je parle d'ambiguïté, une certaine confusion par rapport à, voilà. Donc, il y a également les questions d'attaque, au fait. Il y a certains éléments, certaines composantes malicieuses hein, qui sont incluses dans le code, au fait, de certaines applications. Il y a aussi les vulnérabilités, publiées. Donc, tous ces différents éléments, quelqu'un dira peut-être qu'à cause de tous ces éléments, bon, je ne veux pas utiliser autre. Certes, il y a tous ces éléments-là. Donc, si vous voulez, au fait, essentiellement, vous pensez sur le côté inconvénient, au fait, alors vous balayerez du revers de la main tous les avantages qui y sont associés. Donc, souvent, ce qui se passe, au fait, il y a les... En fait,
Donc ici, ce qui se passe au fait, dans, bien que ces applications, ces algorithmes soient de source ouverte, il y a souvent la disponibilité des clés qui vous donnent la possibilité de pouvoir, disons, assurer la sécurité de votre algorithme et de pouvoir avoir une certaine mainmise sur la, vos données et tout ce que vous faites avec et autres, tout ça. Donc ici, quelqu'un dira, bon, pourquoi est-ce que j'ai besoin de pouvoir, c'est-à-dire employer un programme, un programmeur pour pouvoir venir faire un... En fait, souvent, les produits commerciaux sont désirables dans certains cas, mais ou à la limite, inévitables. Mais vous devez savoir que ceux-ci sont régulés par des agences qui, sont, qui, utilisent, le, qui utilisent ce qu'on appelle les, le SAMD, le paradigme SAMD, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'application comme un appareil, plutôt, oui, exactement, comme un appareil médical. Donc, ce que je dirais, au fait, c'est que si vous devez utiliser des produits fermés commerciaux, vous devez faire des évaluations en termes de statistiques. Comme je le disais à l'entame, à la genèse de ma présentation, il est important de pouvoir mener ces analyses-là, ces évaluations, afin de vous assurer que les données, les statistiques dont vous disposez ne sont pas des données qui, vont vous, qui sont compromises. Hmm? Ou bien qui, parce que, comme je vous le disais, il y a certaines compagnies qui font des ventes ou bien qui vendent certains produits à des fins purement commerciales et de profit. Donc ici, il y a quelques astuces très pratiques que je peux également vous donner. Ici, c'est de savoir comment est-ce que, c'est-à-dire combien au-delà de seuil que vous désirez, c'est-à-dire vous devez savoir... ce qui se passe, c'est-à-dire votre le seuil en termes de besoins et d'infrastructures et de serveurs. Vous devez avoir au moins, garder au moins, c'est-à-dire un groupe de données, un groupe de données que des compagnies ne verront jamais, mais qui soient d'accord avec cette condition dès le départ. Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez garder un groupe de données que les compagnies ne verront jamais, mais vous devez vous convenir de cela dès le départ, parce qu'il peut y avoir quelques implications juridiques que vous n'avez pas pensé, ou que vous n'avez pas pensé. Donc, vous devez avoir un accord très explicite lorsque vous commencez à travailler avec une compagnie. Et toujours vous assurer que vous utilisez un statisticien pour faire l'évaluation de vos données. Et comprendre également que les marketeurs qui travaillent avec vous ne sont pas des personnes avec des compétences techniques et pas tout le monde est un expert. Et vous pouvez avoir un expert, quelqu'un qui est un pathologiste très expérimenté, qui est un radiologiste qui travaille avec une compagnie d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas nécessairement au fait que ils ne sont pas nécessairement familiers avec les détails subtils de la, du coding, au fait. Et j'ai vu cela plusieurs fois, ce sont des personnes dans les webinaires, et généralement, ce sont les personnes dans les webinaires ne sont pas les mêmes personnes qui, sont, qui font le coding, au fait. Et je ne sais pas ce que cela, pourquoi est-ce que cela se passe, mais ils peuvent emmener des personnes, des experts, mais des experts qui ne connaissent pas véritablement les détails subtils du coding. Donc, c'est, peut-être que ces éléments ne seront pas vraiment très évidents, à moins que vous-même, vous voyez les codes et les données disponibles. Il y a également les lignes directrices. Lorsque vous parlez des lignes directrices, vous devez regarder les lignes directrices du NHS, c'est-à-dire les lignes directrices du NIH, qui peut vous aider à pouvoir mieux comprendre, parce qu'ici, ces lignes directrices traitent d'un grand éventail de produits d'intelligence artificielle. Donc ici, une autre astuce, c'est de comprendre c'est-à-dire le fonctionnement des infrastructures ou des entités régulatoires. Donc ici, il y a plusieurs éléments qui sont à considérer. Souvent, il y a des choses qui sont très, c'est-à-dire qui sont ambiguës. Donc, vous devez vous assurer de pouvoir avoir une compréhension très approfondie. Donc, ici, lorsqu'on parle de groupes de données et autres ouverts, ce sont des éléments qui sont
clair, ouvert, mais il y a le volet juridique et autres, tout ça que vous devez considérer afin de vous assurer que vous faites les choses, mais à la lumière d'une connaissance très avérée et très avisée. Donc ici, il y a également l'une des craintes par rapport aux applications ouvertes, ce sont des éléments qui, c'est-à-dire au fait, il y a de grandes compagnies qui utilisent des éléments de sources ouvertes, par exemple Facebook, Google. Il y a plein de compagnies qui utilisent, qui font des produits en se basant sur des éléments de données de sources ouvertes. Donc ici, une autre crainte, c'est que je ne peux pas faire de profit en utilisant quelque chose qui est ouvert. Non, ici, je pense que ça, c'est une utopie. C'est une imagination, non avérée. Donc ici, c'est le contraire. Donc ici, vous pouvez utiliser des éléments de sources ouvertes. Il y a nullement la question de qualité, de mauvaise qualité et autres, non. Ce sont des éléments de bonne qualité également, ils sont même mieux même que les éléments commerciaux. Donc, vous pouvez faire des profits pleinement avec des éléments qui sont de sources ouvertes. Donc ici, c'est bien. Donc ici, il y a des gens aussi qui disent, oh, les gens verront mes erreurs. Puis les gens verront tes erreurs, ce qui signifie que vous pouvez corriger les erreurs en question. Donc il n'y a pas de problème au fait. Donc ici, afin de pouvoir, pour répéter ce que je disais par rapport à la science et l'intelligence artificielle ouverte, je parlais de sources ouvertes, des données ouvertes et des applications ouvertes, parce que tous ces éléments vont favoriser une découverte améliorée, un partage de connaissances et, par ricochet, un soin amélioré. Ainsi, sur ce, j'aimerais donner la parole pour les questions. Si personne